Adelia a pour objet quand même d'assurer un service social à destination des personnes qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, ont rencontré quand même de grandes difficultés liées à ce qu'on peut appeler différentes formes de violence, si tant est que perdre son travail est une violence, peut-être pas la même que celle d'être battu par son conjoint, lorsqu'il s'agit de femmes victimes de violences conjugales, qui est aussi un des soucis d'Adelia, ou tout simplement d'avoir un accident de travail et un accident de parcours de vie qui vous plonge quelquefois dans certaines déchéances et qui vous fait complètement sortir de votre milieu social et de la société en général. Donc Adelia essaye d'apporter des réponses aux questions et aux besoins que les personnes doivent prendre en charge pour pouvoir revenir dans cette société qu'ils ont quittée à un moment donné. Adelia essaye au maximum dans ses actions de s'intéresser à la globalité de la personne. C'est la raison pour laquelle nous avons ces différents pôles qui peuvent intervenir sur différents domaines que sont l'hébergement, l'accueil, l'écoute, la veille sociale, ou bien la formation, ou bien même les ateliers d'insertion. Il est toujours regrettable, je pense, de saucissonner une personne dans tous les domaines, et encore plus quand il s'agit de personnes en difficulté et un peu à la dérive. Il vaut mieux essayer de les prendre si possible dans la globalité, et ça c'est le gros objectif d'Adelia. On s'intéresse à la personne, pas à ses problèmes. Ma vie, elle est simple. Je me suis fait virer de partout parce que j'ai jamais fait mon âge. À chaque fois que je me présentais à un boulot, tout le monde m'avait chié. Qu'est-ce que tu veux ? T'as de l'expérience, t'as pas de l'expérience. Alors je me suis retrouvé dans la rue, vite fait, quoi, parce que plus personne ne voulait de moi. Et je me suis barré. Je me suis barré. Alors j'étais dans un centre qui a été créé par l'abbé Pierre, ça s'appelle les Amis Paola à Fréjus, non, à Saint-Raphaël. De là, je suis remonté avec des Bretons qui m'ont déposé à Dinan à la Bonne Nuit. Ça s'appelle Nosdiez. De Nosdiez, j'ai eu une assistante sociale à Dinan qui m'a fait venir au 115. Du 115, j'ai postulé pour avoir un logement en CHRS. Je suis allé en CHRS à côté du 50. Et du 50, je suis arrivé là, quoi. Et puis voilà, toute ma vie, quoi, se résume à air sans main gruyère, quoi, rempli de trous. Et j'ai tout fait pour en sortir et j'ai fait des boulots qu'on m'a fortement conseillé de cesser. Alors j'ai été obligé de toute façon parce que je pouvais plus non plus. J'étais déménageur, j'ai eu deux opérations chirurgicales, deux hernies inguinales. Je suis allé dans les espaces verts après, j'ai eu maladie professionnelle, deux tendinites, bras droit, bras gauche. Une récidive hernie-inguinale, je suis ouvert de partout, là j'ai une plaque, je suis deuxième dans les jambes, je suis usé. Ils m'ont fait venir ici, et là je suis posé. Là c'est le souffle qui fait du bien au cœur, quoi. Parce qu'il y en a marre de galérer à droite, à gauche, quoi. J'ai couché dans les cages d'escalier, dans le métro. À cette époque-là, il y avait l'Europe parce qu'ils ne fermaient pas les portes. Et puis, de fil en aiguille, je suis revenu au point de départ, quoi. Puis voilà, quoi. De là, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé, plus que dans le Sud, parce que dans le Sud. Ils ont voulu me mettre dans des structures, je ne veux même pas y penser, quoi. J'ai refusé carrément. J'ai dit je refuse, je préfère m'en aller, quoi. Je
préfère m'en aller. Je préfère coucher dans la rue, quoi, à la limite, parce que c'est un coupe-gorge, quoi. Il y a qu'ici que j'ai rencontré de bien, et comme ils s'occupent de nous, quoi. Tant j'en ai fait des coins de France et Navarre, alors là, ici, on n'a rien à dire. Ils font tout pour être à notre écoute, à notre aide, à nous remplir les papiers, tout ça, parce que malgré que je suis crucifié verbis acharné, je comprends pas les termes de l'administration, parce qu'ils ont des termes que j'arrive pas à les comprendre. Alors, eux, ils le savent parce qu'ils sont nés dedans, si je puis dire. Hein, ils sont nés dedans, donc ils ont appris ces termes-là, mais nous, on les connaît pas forcément, quoi. Alors, on est obligé de demander leur aide, mais ils sont à notre écoute quand même, quoi. Puis ça fait plaisir, quoi. Ça fait très plaisir. J'ai fait des milliers de kilomètres pour me rendre compte que, en fait, j'avais tout à proximité, quoi. J'ai eu un BEP dans le secrétariat, toujours dans le secrétariat, un bac. J'ai ensuite fait l'année de licence en droit, que j'ai arrêté, en fait ça ne me plaisait pas. Donc voilà quoi, des petits boulots pour essayer de trouver ma voie. Puis voilà. Et après Adalea, parce que j'étais complètement perdue, on va dire ça comme ça. Dans le secrétariat, donc il n'y avait rien, il n'y a pas de boulot, c'est bouché. Donc il fallait bien que je me réoriente vers quelque chose d'autre. Je ne savais pas s'il fallait que je prenne le commerce ou d'autres choses, et donc il fallait que je m'essaye à tout ça. Donc tout d'abord, il fallait qu'on cible un petit peu les domaines qu'on préférait. Donc est-ce que c'était dans le secrétariat, dans le commerce, aider des personnes, tout ça. Et donc par rapport à tout ça, on nous a demandé de faire des enquêtes métiers. Donc il fallait qu'on aille, je ne sais pas, par exemple, j'étais dans une clinique, faire une enquête sur le métier d'aide-soignante. Et après, ben, on voyait si vraiment ça pouvait nous coller ou pas. Et donc par rapport à ça, on pouvait donc faire un stage de découverte pour découvrir ce métier et voir si vraiment c'était possible. Donc en fait, on a un formateur qui est là et qui nous aide dans les démarches et qui sait, au bout d'un moment, il sait les compétences qu'on peut avoir. Et ben, comme je disais, en fait, quand on lit une fiche métier, en regardant les compétences, il nous dit « Est-ce que tu es bien sûr que ce métier est fait pour toi ? Est-ce que... » Et puis c'est vrai qu'ils sont là aussi pour nous booster, pour nous pousser un petit peu quand on a une baisse de morale ou quand on se dit bah tiens, j'y arriverai jamais, je trouverai jamais rien. Maintenant ils sont là et puis... Et donc aujourd'hui, je suis dans une maison d'accueil donc, qui accueille des personnes handicapées adultes mentales. Je suis rentrée là par le biais d'un stage de découverte que j'ai fait par rapport à Adalea. Et le stage s'est très bien passé, donc ils m'ont demandé de faire des remplacements en fait, la semaine qui suivait. Et puis le mois d'après, j'étais en contrat d'accompagnement à l'emploi. Et puis donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Et donc là, au mois de décembre, je rentre en formation d'aide médico-psychologique pour 18 mois. Je suis allé au CFA, je suis en apprentissage. J'ai fait un BEP de mécanicien automobile qui s'est révélé, ma foi, un peu controversé parce que ben, quand on n'a pas d'expérience, on peut pas forcément trouver du boulot dans ce domaine-là. Et après, bon, ben, je suis arrivé sur Paris, donc toujours un peu difficile dans la mécanique automobile. J'ai eu deux ou trois petits boulots qui m'ont permis de, on va dire entre guillemets, de survivre. Et puis ben, mon arrivée en Bretagne, à Saint-Brieuc, où je suis allé à la mission locale qui m'a dirigé vers l'Adalea. J'ai eu des entretiens d'abord à l'Adalea pour savoir exactement ce que je voulais changer vraiment d'orientation. Donc ces entretiens ont été ma foi bien. Et du coup, on s'est lancé dedans, quoi. Je voulais toujours rester dans le domaine de la mécanique, mais un peu plus technique, on va dire. Et
Avec la DALEA, on a travaillé le projet, on a fait des stages, on a entretien téléphonique, ils m'ont aidé aussi, tout ce qui est lettre de motivation, CV, la formation au bout. Donc j'ai été pris 4 mois par la DALEA en charge. Et ça a été un peu plus long parce que il fallait attendre la formation du métier que je fais actuellement, qui est opérateur régleur sur tour à commande numérique. Ça va plus ou moins bien. Bon, j'ai eu un contrat qui s'est terminé. C'est terminé dernièrement, un contrat à durée indéterminée. Je persiste toujours pour pouvoir te retrouver par la suite. Par rapport à la crise économique, c'est un peu plus difficile. Là, il y a un peu moins de boulot dans le secteur. Mais la dynamique de la DALEA ne me fait pas perdre espoir et continuer à persévérer. J'ai 4 enfants, donc je voulais au moins les élever un petit peu avant. Et puis après, je me suis dit, si je travaille et le temps de mettre mes enfants en garderie, ou mon salaire pratiquement serait parti dedans. Donc je me suis dit, c'était autant de rester à la maison et m'en occuper. Au moins, ils sont élevés avec moi. Et... J'étais suivie au Pôle emploi. J'avais une conseillère là-bas, et c'est elle qui m'a conseillé d'aller voir les petites annonces. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis partie au Pôle emploi des villages et j'ai vu une annonce. Donc j'ai fait une lettre de motivation et puis après j'ai été ramener tous mes papiers, parce qu'ils m'ont demandé tous les papiers nécessaires à DALEA. Et j'ai tout emmené mes papiers. Donc ils m'ont dit tout de suite qu'ils n'avaient pas de place immédiate. Au bout de 15 jours après, j'ai eu un coup de téléphone en me disant vous pouvez venir signer votre contrat puisque. Il y a une place qui se libère. Donc au début, comme je vous ai dit, j'ai trouvé en triméto. Mais on en a parlé bien avec le directeur et en fait, ils m'ont mieux vu dans la peinture qu'en triméto. Et puis voilà, après c'est parti comme ça, quoi. Et puis maintenant que j'ai découvert la peinture, je veux en faire mon métier, quoi. J'adore ça. Et là, je suis en formation justement à l'AFPA. Donc là, je vais passer mes diplômes. J'ai 3 modules à passer. Module là, sur module peinture, après un module de tapisserie et après module ravalement. Et donc c'est l'équivalent après d'un CAP, BEP professionnel. Quoi. Donc là, moi ça fait déjà 1 an et demi que je suis là. Donc il me reste encore un contrat que je vais re-signer d'ailleurs cette semaine. Et puis après, j'espère bien trouver du travail comme tout le monde, je pense. Mais dans ce métier-là, moi c'est grâce à eux que j'ai repris confiance en moi, que. J'ai appris à faire tout ce que je fais maintenant, quoi. Ça fait 30 ans que je suis là et j'ai jamais de la chance à y aller à l'école, quand j'étais jeune, bien sûr. Et quand j'ai arrivé ici, j'ai fait des enfants, je ne cherche pas à y aller à l'école, je n'ai pas eu le temps, j'ai mes 3 enfants à lever. Après, je travaille et c'est mon travail qui m'a poussée à savoir parce que je fais du travail et c'est les autres qui me donnent des heures, des défis comme moi. Et je ne peux rien dire, je m'écrase. Parce que je suis obligée qu'ils me fassent la fameuse phrase là, c'est fait des lots de viande, d'une commande, combien de kilos d'escalope que je vais faire, ou de roté, ou enfin n'importe. Et donc ça m'a poussée à savoir lire et écrire. Et j'ai découvert à l'Odiac, par une copine, Adaïla, et j'ai demandé, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Quand j'ai arrivé, il m'a donné à écrire, m'a marqué mon prénom. Et mon mari à côté, il dit non, je vais le faire. Et là, ça m'a fait quelque chose aussi.
c'est moi qui vais le faire, c'était pas mon mari. Et maintenant, j'y vais à la banque, je prends de l'argent, je tire de l'argent à la caisse, je dis tout parce que c'est vrai. Et le jour-là, il m'a dit, tu vas savoir lire. Ou Melker, tu vas le savoir. Tout le monde, il peut le savoir lire. Je dis, non, pas moi. Dans ma tête, non, j'y arriverai pas. Je suis nulle, je suis bonne à rien. Il me dit, non, tout le monde, il va savoir lire. Il sait lire, il sait écrire. Toi aussi. J'ai essayé 3 mois. Après, un autre contrat de 3 mois. Après 1 an, 2 ans. J'étais contente, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai lu mes commandes, déjà je suis contente avec ça. Je sais qu'est-ce que je vais faire sur le tableau. Je sais tout le travail que je vais faire dans la journée. Et à la fin de la journée, je n'ai pas besoin de demander à une femme remplir la feuille, qu'est-ce que j'ai fait de la journée. Et le jour-là, je vous jure, j'ai pleuré. Parce que je l'ai rempli ma feuille tout seul. Et j'étais vraiment contente de moi et fière de moi. Mais ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci, merci mon Dieu et merci à Dalia. Et ils sont très, très gentils aussi là-bas. Mais j'en ai beaucoup à apprendre encore. Mais là, cette année, j'étais un peu fatiguée. J'ai quand même plus de 50 ans. Je perds un peu la mémoire, c'est dommage. C'est pour ça que je vous ai dit, mon seul regret, j'aurais dû commencer il y a une vingtaine d'années. Et c'est dommage, c'est dommage. Je peux dire aux filles qu'ils ont 20 ans, qui ne savent pas, à mon camp, comme moi, qui ne savent pas lire ni écrire, n'hésitez pas, ne laissez le travail, laissez les enfants, ce n'est pas trop tard, laissez le mari. Il faut apprendre à lire, à écrire. C'est très, plus qu'il permet. Quand on veut, on peut. Voilà. Et je me permets, et je suis contente aussi. Je vis une autre vie. Après savoir lire et écrire un petit peu, pas beaucoup, mais je suis contente de moi, je suis fière de moi. Mes enfants, mes petits-enfants, ils me lisent des petits mots, mamie, c'est quoi ça? Je suis contente de les aider, de les dire c'est quoi, et eux, ils sont contents aussi. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ben moi avant, j'avais un métier qui n'est pas très répandu ici, j'étais berger. J'avais fait mes études à la bergerie nationale de Rambouillet, et il y a 30 ans. Hein. Je reviens sur le métier, l'image du berger ignorant, tout ça, c'est une fausse image. J'ai quand même un BTS, j'ai quand même un bac, j'ai un BTS, il y a 4 ans d'école. Il n'y a qu'une école de berger en France, et je travaillais en montagne. Puis un beau jour, j'ai eu un accident très très grave. J'ai des prothèses dans les bras, j'étais dans le coma. Puis bon, j'étais soigné, bien sûr, opéré. Et puis, je ne pouvais plus faire mon métier. Et j'étais tombé dans l'alcoolisme, à la rue, le trou, quoi. Pendant longtemps, pendant 10 ans. Je m'étais éloigné de la montagne exprès pour ne plus voir la montagne. Et je traînais en ville, je m'enfonçais de plus en plus, quoi. Et puis, il y a 2 ans... J'ai dit, ça va pas le faire, quoi. Je me voyais mourir, quoi. Puis j'ai dit, je veux m'en sortir. Je suis allé dans un hôpital. Bon, ils avaient l'habitude de me voir bourré tous les jours. Un jour, en urgence, quoi. Et un jour, je suis arrivé à Jeun, j'ai vu un médecin, je lui ai dit, je veux m'en sortir. Je veux arrêter de boire. Puis, bon, ils m'ont laissé poireauter 1 heure, 2 heures. Et le médecin, il m'a dit, je vous prends en mot. Et c'est que là, tout a commencé, quoi. J'ai fait une cure de 3 mois, et puis j'ai vu une assistante sociale en cure qui m'a dit maintenant il faudrait un logement, il faudrait. Puis elle a pris contact avec Adalea, les premiers contacts étaient. Je me suis dit oh là, encore une administration, ça me gonfle, je veux ma liberté. Et puis non, c'est bien passé. On m'a prêté un logement pendant 6 mois où j'ai dû me rééduquer à revivre en appartement, à faire mes commissions. On m'a aidé à faire mes trucs administratifs. C'est un contrat de 6 mois. Après, j'ai eu une mesure, on appelle ça une mesure ASEL,
C'est-à-dire que j'étais suivi par une conseillère économique de Adalea, où on a un peu dépouillé les comptes. Elle m'a appris à gérer mes comptes. C'est vrai que je ne savais plus. Bon, c'était pas évident au début. J'arrivais ici, je commençais à râler, On me disait, attendez, calmez-vous, là. Moi, je me souviens toujours que ma référente m'avait dit, mais attends, un jour de colère. Elle m'a dit, t'es pas tombé dans la merde du jour au lendemain. Tu vas pas t'en sortir du jour au lendemain. Je suis à l'AH, c'est-à-dire j'ai l'allocation adulte handicapé. Bon, comme j'étais un peu de... J'étais à une fête un jour du GAB, c'est le groupement des agriculteurs bio. C'est ici qu'on m'a fait connaître ces gens-là, quoi. Puis un jour, comme ça, du bouche à oreille, on m'a dit, ben, viens passer une journée chez nous, je donne un coup de main dans une cidrerie où je vends de l'alcool, je vends de l'agneau. C'est très paradoxal, quoi. Maintenant, ils ont confiance, parce que quand même, ils m'ont laissé dans les bouteilles, en distillation même. Je bois toujours pas une goutte d'alcool. Mais ce qui m'a renforcé beaucoup, c'est ici, quoi. On m'a dit, mais tu peux, t'arrives. Le militantisme que j'ai mis en pratique est la suite de ce que j'avais fait au planning familial. Et je pense que mes premières prises de conscience plus fortes ont eu lieu au moment du procès de Marie-Claire en 1972. Une jeune fille qui avait subi un viol, qui a été enceinte et qui avait été condamnée. Il y a eu procès retentissant avec Gisèle Halimi. Donc à ce moment-là, à Saint-Brieuc, moi j'ai retrouvé des militantes du MLAC, de Choisir, du planning familial, et on a participé à la lutte pour obtenir le droit à l'IVG en 1975. Disons que ça nous a fait un groupe qui s'est interrogé par la suite sur les violences faites aux femmes. On en parlait, il n'y avait pas de lieu. Et puis les forces vives se réunissant ont fait qu'on s'est mis tous ensemble et la première assemblée générale des foyers d'accueil a eu lieu le lundi 19 novembre 1979. Le premier président a été Jules Barbu, dont toutes ces forces-là ont ramené des personnes qui se sont intéressées aux violences faites aux femmes. Et donc, petit à petit, nous avons créé des lieux d'accueil. Mais ce qui m'importe aussi, c'est quand même au niveau national, il y a une fédération qui s'appelle la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui a fédéré un certain nombre d'associations. Et nous, à Adalea, on est toujours adhérents de cette association. Elles ont fait un travail phénoménal. Et aussi, elles se sont intéressées particulièrement au groupe de parole. C'était un petit peu comme au planning familial, où on ne recevait pas les femmes, quand elles venaient pour une IVG, d'une manière individuelle. C'était de les recevoir d'une manière collective, pour qu'elles se rendent compte qu'elles n'étaient pas toutes seules. C'est en 1993 que Véronique Neyers a mis en place un service d'écoute téléphonique. Tout le chemin parcouru par rapport aux violences faites aux femmes, une des dernières lois qui a été votée, c'est les violences au sein du couple, et le viol a été reconnu au sein du couple. Et ça me semble important aussi. Et c'est récent, puisque ça date de 2006. Donc avant, j'étais depuis 11 ans avec un homme, donc j'étais maltraitée physiquement et psychologiquement. J'étais arrivée à un stade où le matin, je me disais, je suis encore vivante. J'étais arrivée à 40 kilos, j'avais beau manger. Bon, c'était un stress permanent et la peur de mourir parce qu'il menaçait de me tuer. Pour m'amener au travail, il voulait me casser le poignet pour plus avoir à m'amener au travail. La nuit, bon, je me couchais, parce qu'il travaillait de nuit, donc je me couchais que quand il partait au travail, mais des fois il remontait, le matelas il m'éclatait contre le mur, enfin c'était... Tout était prétexte de toute façon, c'est l'assiette pas suffisamment remplie, trop remplie. On en arrive dans des états où moi j'ai voulu mettre des cachets pour le calmer dans la bouilloire.
on souhaite la mort. Moi, je priais toute la nuit que le lendemain matin, il ne revienne pas, qu'il ait un accident de voiture. Mais la décision est dure à prendre parce qu'on se demande pour les enfants, qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est de rester avec le père ou de partir tant que les enfants n'ont pas de maltraitance ? Il ne voulait plus donner d'argent, participer aux frais pour payer le loyer, la nourriture, les factures. Il m'avait dit, tu te débrouilles, tu vas avoir une assistance sociale si tu veux, mais tu payes tout avec ta paye. Donc je ne pouvais pas tout payer avec ma paye. Il me dit, va avoir une assistance sociale si tu veux. Donc mon frère m'a amené et l'assistance sociale a senti qu'il y avait quelque chose. Elle m'a donné le nom de l'association. Moi, j'ai attendu 6 mois une place pour rentrer dans cette association. Il n'y avait pas de place. Donc, c'était 6 mois très longs parce qu'il ne fallait pas que j'en parle aux enfants. Je téléphonais en cachette, j'inversais les chiffres de numéros parce qu'ils fouillaient dans mon portable, dans mes calepins, partout. Mais moi, je suis partie en pleine nuit. 5h du matin, j'ai réveillé mes filles, j'ai pris les carnets de santé, les papiers. Et c'était... la peur au ventre, et j'étais tranquille qu'une fois la porte fermée, une fois arrivée à l'association. Pendant plus d'un mois, je n'ai pas pu sortir de l'association. C'est les éducateurs qui envoyaient mes filles à l'école et qui allaient les récupérer parce qu'il était tous les jours devant l'association. Il a voulu enlever les filles à l'école et après il a été interné en hôpital psychiatrique. Ça a été une bagarre très très longue. Je suis restée un an dans l'association. Après, j'ai pris un appartement, mais j'ai eu recours à la police plusieurs fois. Mais la police ne se déplace que s'il y a effraction ou si on vous tape dessus. Donc moi, j'avais refusé de donner mes filles parce qu'elles avaient été en week-end chez lui, ça s'était très mal passé. Et il est venu donner des coups de pied dans ma porte. Le montant en béton a fissuré, mais la police ne se déplaçait que une fois qu'il était dans l'appartement pour me taper dessus. C'est très dur parce que même quand on arrive dans l'association, faut bien se dire que pendant au moins un an, on est surtout les premières semaines, on est harcelé au téléphone. Nous, avec les éducateurs, on avait été au guet pour trouver un arrangement pour qu'ils puissent voir les enfants. C'était pleurer à genoux, on propose le mariage, on propose des cadeaux, on vous harcèle, menace de suicide. Donc moi, je lui avais répondu, j'expliquerai aux filles. Mais j'avais écrit au procureur quand même pour le prévenir. C'est des menaces et un harcèlement constant. La femme qui a encore des sentiments pour l'homme, elle retournera, c'est obligé. Mais en plus de ça, on a obligation, alors on trouve des astuces. On se couche quand la personne est levée, on essaye de se décaler. Moi, j'ai dormi des semaines et des semaines, mettre des serviettes hygiéniques, faire croire qu'on a nos règles. Et puis un jour, il faut quand même il nous prend de force, tenir les poignets, un viol, quoi. Et puis et après, il vous reproche d'avoir fait la planche, mais il vous a pris de force. Mais on est obligé de temps en temps, oui, on dit passer à la casserole, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'à la fin, il ne croit plus quand vous mettez toujours des serviettes hygiéniques, que vous avez vos règles. Et donc, porter plainte, non. Déjà, par rapport à mes filles, je ne leur ai pas dit, même si elles sont ados, je ne me sens pas prête à leur dire que leur père faisait ça. Mais j'ai encore peur de lui si je le vois devant moi. À l'heure actuelle, s'il n'y avait pas eu l'association, je serais morte. De toute façon, c'était irrévocable. Personnellement, je n'ai pas encore 30 ans dans l'association. J'y suis arrivée à peu près en 1982 et j'y ai été mandatée par mon employeur. Dès mon entrée dans l'association, moi, ce qui m'a le plus intéressée, c'est la situation des hommes. Alors, les hommes qui avaient des problèmes d'hébergement, de travail, de formation, qui sortaient de maisons d'arrêt. Pendant toutes ces années, il y a eu de multiples mesures gouvernementales concernant justement tous ces domaines, le logement, la formation, le travail. Et l'association les a développées au fur et à mesure. Et je peux dire que j'ai rêvé avec les différents directeurs et directrices à de multiples projets avant et après l'arrivée du RMI. Et quand on fait la somme des projets, du travail, des réflexions réalisées par les directeurs, les directrices, les salariés, les administrateurs, depuis tant d'années, pour moi, c'est énorme. Et on peut être fier de ça.
Eh bien, malgré cela, aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'hommes viennent encore demander de l'aide à notre association. Et pour les mêmes motifs qu'il y a 30 ans. Hein, pour un toit, un travail, une formation. Ça nous dépasse, nous, à notre niveau d'association. Mais je pense que cela veut dire que l'existence de cette association est une nécessité et qu'il faudrait l'inventer si elle n'était pas là. Eh bien, j'ajouterais qu'au-delà de l'aide matérielle et administrative, c'est la chaleur humaine qui fait le plus d'Adalea et qui doit rester à l'avenir. On a fait un chemin de 30 ans, il y a encore plein de choses à faire. Et moi je dis, un petit peu comme a dit l'autre jour Guy Bedos, on a vraiment l'impression de radoter. Mais je pense que les choses doivent être poursuivies. Et puis j'ai en tête le titre d'un livre de Gisèle Halimi qui dit « Ne vous résignez jamais ». Et pour moi, il faut continuer avec toujours en tête une dimension collective et sociale. Et ça me semble important.